Et bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Sight, un jeu que j'adore, un jeu en fait qui se joue absolument sur table, mais j'ai la chance d'y jouer sur Steam grâce à l'internet et grâce à l'informatique. Nous sommes en ce moment le joueur 1, il y a 4 joueurs, 4 bots difficiles qui sont en mode aléatoire comme nous le sommes. Donc on va espérer tomber sur une bonne nation et avec une bonne carte de promo. Et c'est parti, on démarre ça à l'instant. Oh, la Crimée! Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la Crimée. La Saxonie, la Polonia, les Nordiques et les Rusviettes sont présents. Donc nous, une fois par tour, on peut dépenser une carte munition comme s'il s'agit d'une carte ressource, ce qui est intéressant. Sinon, nos objectifs se créent un loup dans la bergerie, contrôler un territoire avec son personnage, un mec, un ouvrier et au moins 5 ressources à la fin de son tour. Ok, ouais, ça c'est pas évident. Roi de la colline, contrôler l'usine à la fin de son tour et être le joueur avec le plus de points de puissance. Ok, ça peut se faire, ça peut se faire. Sachant qu'on a déjà 5 points militaires, étant donné qu'on est à Crimée. Et les bonus de structure sont ceux qui sont en ligne droite. Donc, ils doivent être adjacents. Ça va être une belle game, là. Je suis pas mal sûr que ça va être le fun. Oh, et c'est parti! Oh là 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 là! J'avais oublié qu'il y avait de la musique dans ce jeu-là. Ou c'est moi qui ai juste oublié de l'enlever, je sais pas trop. Ouais, c'est clair, j'enlève. T'es mort! Ok. La musique maintenant retirée. Nous sommes très prêts. De l'armée noire, qu'est-ce qu'on fait? L'armée sombre, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a ici le jeton qui serait intéressant. Ça nous prend 4 fers pour faire un mec. On n'a pas assez pour aller chercher du pétrole. Le bois, non. Aïe, mon Dieu. Ça sera vraiment pas agréable. Parce qu'on va y aller avec un déplacement. On niaisera pas. On va aller chercher plus de bonhommes pour pouvoir aller éventuellement construire davantage de ce qu'on a de besoin. C'est parti. C'est beau, on dirait que tout le monde a eu comme eu un tour de plus que moi parce que ils ont déjà un mec. Et ici, c'est assez fou. Ça, c'est classique comme moi. Ça, c'est OK. Ils ont déjà des ressources. En tout cas, je comprends pas la Saxonie à quel point ça a été fort. Mais bon, là, je peux rien. Je vais construire. Évidemment. Je vais me prendre 2 bonhommes. Et éventuellement, on va faire du déplacement. À moins que je prenne 2 ressources, ça pourrait être vraiment bon. En même temps, je vais me déplacer, je vais voir ce que le jeton peut me donner. Puis je vais aller ici. Ouais. Qu'est-ce qu'il me donne comme jeton? Une carte munition et un point de popularité. Oh, 2$ pour 3 unités. Ah, c'est clair que je prends ça puis que je fais 1, 2, 3. Oh, comme ça, je vais pouvoir créer mon mec assez rapidement. Ah, j'avoue que pas de musique, c'est dull un peu. Je vais aller en rajouter un petit peu. Il était juste trop fort. Ok. Let's go. On produit. 3 autres bonhommes avec un de fer. Et comme là, je vais éventuellement pouvoir faire mon mec. C'est parti, on n'y espère pas. Je pense que je vais prendre 2 ressources. Ouais, je vais prendre 2 ressources, puis je vais prendre du pétrole. En espérant que je puisse améliorer le tout. 1, 2, 3, 4. Le traverser les rivières procéderait aux fermes et aux toundras, ça serait vraiment intéressant. Déplacez-vous d'un territoire ou d'une base principale vers votre propre base principale. Ok, ça peut être cool. Je vais quand même prendre ça, je pense. Je prendrai pas de chance. La Saxonie a l'air dangereuse. Si on regarde les points,
Au niveau militaire, c'est pas si pire. Ok. On va se déplacer. Je peux me déplacer. Donc, je vais aller ici. Et je vais prendre toi. Est-ce que j'ai tous mes bonhommes? Non. Il m'en reste un à avoir, je pense. Je vais en laisser un là. Puis je vais aller ici. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ça pourrait être payant dans quelques temps. Hey, la musique est quelque chose. On dirait que je joue dans Dune. Ok, j'ai pas assez de faire ça, c'est sûr. Je peux pas me déplacer. Je sais pas ce qu'il faut. Si je produis, je peux pas tout produire ce que je veux. Holy shit. Ah, regarde. Je fais ça. Et j'y vais avec le bonhomme. Donc j'ai ma première étoile. Mais là, j'ai pas ce qu'il faut pour faire le tout. Mais ça va aller au prochain tour. Je vais pouvoir faire des améliorations. Ok, alors on y va pour des déplacements. Toi, tu vas aller chercher justement ce qu'on a de besoin. J'aimerais ça partir avec. Ah ouais. Si je pars avec 3, c'est bon. Je m'en vais ici. Je fais-tu un mec? Ah, je pense que je vais refaire un mec. Là, la carte va être bon. Et recevez 2 dollars et un point de popularité. 2 dollars pour recevoir 2 points de puissance. Ah ouais, je prends ça. Let's go, c'est bon. 1, 2, 3. Puis là, moi, je veux du militaire, ouais. Mes cartes sont bonnes. Je veux des points militaires. Excellent. Il va peut-être attaquer mon petit bonhomme, mais je m'en calisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a des étoiles? Non, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. J'ai confiance. Et j'ai gagné un point militaire, justement. Si je construis, j'aurai pas cependant ce qu'il faut pour faire ça. Arc. Je sais pas. Ok, je vais faire ça pareil là. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ah oui, je l'ai. J'ai rien qu'à prendre une carte. Ah, il y a une carte de 4, ça ferait chier. Je le fais pareil. Et je vais aller rajouter un point militaire et je vais enlever ici. Ouais. On va essayer ça. En même temps, on s'amuse. C'est juste ça. Habituellement, quand tu joues sur table, juste installer le jeu puis tout ça, c'est du 2-3 heures, là. Surtout si tu es beaucoup. Hein, il y a l'expansion qu'on peut jouer jusqu'à 7 personnes. Donc c'est clair et net que ça peut être un défi. Mais bon. Ok. On va y aller avec 2 pétroles. Mais là, vu que ça peut prendre une demi-heure, fait que c'est vraiment plus agréable. On va gagner un territoire supplémentaire. Let's go. C'est parti. Est-ce qu'il va m'attaquer? Ok, non. Phew. En même temps, je suis quand même. Ok. Je suis quand même fort militairement parlant. J'ai 9 points puis j'ai une carte de 5. Mais là, il faudrait jamais acheter des cartes. Non, le bleu est allé à l'usine. Est-ce que je l'attaque, le bleu? Ah oui, le bleu, ça pourrait être un beau duel. Si je fais ça, je peux l'attaquer. Ah, je l'essaye. Puis toi, je te prends. 1, 2. Je sais pas trop. Faut que je fasse de la ressource. Fait que je pourrais prendre des ressources pour aller chercher. Ouais, c'est bon. Je vais faire ça. Je vais aller ici. Du bois, ça serait bon. Hein. Attends, je vais aller là. Terminer le déplacement. Oui. Terminé. Et c'est une bataille. Je mets le 5. Les combats gagnent les égalités.
Ah, il y avait une carte de deux. Mais on a gagné. On vient de prendre possession de l'usine, ce qui est une estifie de bonne nouvelle. Qu'est-ce que je prends? Oh, qu'est-ce qui pourrait être bon? Et payer une carte pour recevoir ça. Mais j'ai plus de carte. C'est pas cool. Payer deux ressources différentes pour savoir une recrue. Payer une ressource pour une amélioration. Ah. Une carte pour trois ressources, ça pourrait être bon. Je pense que je vais prendre ça. Là, j'ai besoin de carte. Ah. Je peux utiliser. Y a-t-il quelque chose ici que je peux faire? J'ai-tu réussi la mission? Non. Pourquoi ça me dit alors? Vous pouvez toujours utiliser l'action de la partie inférieure. Ah, ben oui, que je veux l'utiliser. Sacrement. Let's go, je joue les cartes. Et je veux justement prendre deux cartes. Ok, j'ai un 2 puis un 4. C'est bon. C'est clair que je vais utiliser la carte dans quelques instants. En espérant que ça marche. Parce que là, si je veux. Là, en ce moment, j'ai contrôlé l'usine à la fin de son tour et être le joueur avec le plus de points de puissance. Là, j'ai plus de points de puissance. C'est pour ça, parce que je me suis battu. Mais je vais prendre ça. Je vais prendre ma carte de 2 de marde. Et là, je vais y aller avec déplacement. Et je vais enlever ici. Et là, je vais utiliser mon déplacement. Au diable usine. Au pire, j'y reviendrai. On va aller chercher un jeton. Ça peut être bon. Deux unités de bois et un point de propriété. Ah, j'ai pas de popularité. On va faire ça pareil. Là. Ouais. Ah oh, ouais, je vais y prendre. J'ai besoin de popularité. J'ai deux étoiles, mais j'ai pas de popularité. C'est pas très bon signe. Parce qu'en ce moment, si on regarde les points, aperçu du score, je suis troisième. Ah, oh, c'est pas super. Je me suis tassé de l'usine, j'avais aucun point militaire. C'est sûr et certain que je m'aurais fait péter la gueule en temps et lieu. Je vais faire des déplacements, je pense. Je vais aller ici chercher. Non, je veux pas laisser mes ressources. Je vais aller ici. Toi. Non, toi, tu peux. Ah. Voyons, je suis bugué. Toi, tu vas aller ici. Et là, toi, ça va. Je veux pas me battre. Ok, c'est bon. On va laisser ça là. Ça, c'est deux. Il y en a déjà deux. Moi, je vais aller ici pour qu'il y en ait quatre. Oui, j'ai une carte. P2, genre, pour recevoir une amélioration. Vous recevez 10 unités de pétrole et après de popularité. Je pense que le P2 pour une amélioration, c'est crissement bon. Je vais aller chercher une carte, puis je vais enlever le bois. Comme ça, je vais pouvoir faire une construction. Let's go. Je vais rajouter des cœurs. Je me prends des cœurs. C'est parti. Yeah. Hey, ça va être spécial comme game là. J'ai tellement l'impression que la Saxonie est puissante. Mais en même temps, je sais pas trop. Oh non. Bon. Je décalisse. Je perds mon bois. Il a mis une carte de 5. Il a mis des points. C'est quand même cool. Bravo les Rosviettes. Oui, j'ai perdu mes deux bois. Ça, c'est pas bon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire justement. Créer. On va construire. On va chercher les quatre ici. Et les deux ici. Pour faire du pétrole. Et comme ça, on va pouvoir rajouter une construction. Et on va enlever un bois. Et ça fait de quoi de mieux? Est-ce qu'il va y avoir des combats ailleurs? C'est ça la question. Je suis très curieux. Les noirs commencent à s'étendre. Il là 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 là. Au niveau des points militaires, j'étais à 3. Shit. Le chaos commence vraiment beaucoup là. Ouais. Aïe 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 aïe. J'ai encore rien construit. Ça me déçoit. Ok. J'ai pas de bois. Fait que je peux pas construire ce que je veux. Mais je vais faire ça. Je vais aller chercher un bois. Deux bois.
Je prendrai pas de chance. Je vais pouvoir construire deux affaires. Un lieu de regate. Avant un combat, voler une carte mission. Ah ouais. On va aller ici. Hein. On va se protéger, comme on dit. Prochain coup, je vais faire construction. Puis je vais essayer de construire un moulin ou quelque chose comme ça. Là. Parce que là, si on regarde le perso du score, je suis dernier avec 17 points. C'est ridicule. Je me fais péter la gueule. Ça va pas bien. Hey, je pensais que je serais quand même pas pire, mais j'ai aucun point de popin. Les points de popularité font mal. Là. Bon, c'est parti. Je vais prendre 3 points militaires. Je vais construire. Boum, boum. Prendre un moulin, je vais l'amener ici. C'est quand même bon signe. Puis là, avec ça, je dois monter un peu. Ouais, 20 points, mais aïe, aïe, 51.1. Aïe, 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 il faut que je prenne l'expansion. La face, c'est que j'ai pas assez de points. Ah, puis là, les blancs sont sur l'usine. Les blancs ont combien de points militaires? 0. Moi, j'étais à 6. C'est moi qui en ai le plus. Fait que si je me rends à l'usine, je pourrais potentiellement. Ah, là, je vais perdre les points. C'est ça l'affaire. Il fallait que je me rende à l'usine sans me battre. Mais c'est pas le cas. Ah! Bon, je vais prendre une carte de 2. Je vais débloquer ici. Et je vais enlever le fer. Et je vais me déplacer. Toi. Oh. Je peux-tu te prendre? Je comprends pas. Ok. Voyons. Ok, confirmé. Là, je peux me battre. Avec qui j'aimerais me battre? Les noirs ont 2 points, 2 cartes. Ça pourrait être une belle victoire. Les blancs, je me rends pas. Ici, je pourrais chercher 4 de bois. Ce qui est quand même pas pire. Je perdrais 1 de popularité, mais je m'en fous. Je pense que j'y vais. Oui, voler une des cartes. C'est bon, fait que là, je vais faire... Attends, 1. Je vais prendre une carte 5. Et voilà. Je peux-tu faire une carte? C'est bon. Là, il a fait 1, évidemment, là, mais j'ai pas pris de chance. De toute façon, il me reste une carte 5. Je viens de gagner le combat. C'est excellent. Et je viens de pogner 4 de... 4 de bois. Je suis encore dernier, mais bon. C'est déjà mieux. Je termine mon tour. J'ai pété la gueule au noir à la Saxonie. Reste à voir, et là j'ai encore des cartes. Aïe aïe aïe. Qui a plus d'étoiles? 3-3-3 qui est en égalité avec les Rosviettes. Je vais me prendre à nouveau. Et là, c'est en ligne droite. Hein? Et je sais. Ok, je vais faire ça, je pense. Non, faut que je fasse ça. Je m'en fous, là. Je vais me chercher des points, là. Puis comme ça, éventuellement, je vais me déplacer pour aller chercher encore mieux. Parce que c'est sûr et certain que ça sera pas long. Les Saxonies ont 3 étoiles aussi. C'est pas évident. Ça me prend un mec. Faut que je construise. C'était vraiment un fun jeu là, où tu te concentres, mais en même temps, tu te concentres pas tant. Puis, oh tabarnak! Les rouges m'attaquent en hostie. 17? Ok, attends. 5-5. L'attaquant gagne? Non, 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 non. Ah, il peut pas me péter la gueule là-dessus. Il peut pas péter la gueule là-dessus. Ouh! C'était chaud, j'ai gagné, mais ouh! C'était chaud, décolliste, moi, là. Hein! Là, j'ai pas gagné de... rien, là, mais... Hein! C'était énormément chaud. Mais là, j'ai pratiquement plus de points militaires. Puis là, j'ai remporté vraiment beaucoup de ressources. Wow! Hey, je m'attendais pas à ça, là. OK. Et voilà. Toutes les améliorations sont faites, je pense. Oui, je viens de chercher une étoile. Et là,
Je peux-tu attaquer les blancs? Les blancs ont aucun point militaire, mais ils ont 5 cartes. Moi, j'ai 2 points militaires, j'ai 4 cartes, mais j'ai pas de 4 cartes à 5. Je le fais pareil. Ah, si je fais ça, je suis non puissant après. Je pense que je vais prendre les bois puis je vais reculer. Ouais. Oh, ouais. Je vais vraiment replacer après, mais au moins je vais être défendable. Let's go. Il me reste 2 étoiles à avoir. Hey, les rouges, je pensais pas qu'ils m'attaqueraient. J'ai été chanceux, j'avais 2 cartes de 5. Holy shit. C'était quelque chose. Bon, maintenant, on veut. Hey, j'ai 8. Je veux pas me déplacer, là. Je vais faire ça, là. 3 points militaires. Let's go. Un. Juste un. C'est parti, on se met en ligne. Let's go. On est allé chercher des points. Je suis deuxième, mais j'ai niveau 2 de popularité. Ça me prendrait niveau 3. Ça me prend 13. Et là, en ce moment, je suis à 8. Ah là 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 là. Je pense que je vais dépenser 1$ pour aller chercher après ça 2 points de popularité. Et le dernier mec, genre 5 points. Ouais. J'ai. Ah non, je l'ai pas. Ah, j'ai pas. Ok, je suis obligé de faire. Je vais faire ça, vous voyez. Boum boum. Boum boum. Et là, je prends le dernier. Et voilà. Il me reste 1 étoile à aller chercher. Mais je suis pas en train de gagner la game. Là. Je suis deuxième par. Il me manque 1 point. Faudrait que. Il faut que j'aille chercher le dernier. La dernière étoile. Tout en prenant le plus de territoire possible. Parce que là, j'ai 8 de popularité. C'est impossible que j'y parvienne. Je sais pas comment je peux faire ça. Si je prends une carte. Ok, non, j'ai plus. Je peux plus utiliser ça. Ça a plus rapport. Alors, je vais prendre ça. Et là, je vais me déplacer. Toi, tu vas partir avec ça. Tu vas aller ici. Excellent. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Ok. Et voilà. Un, deux. Je prends ça. Ça. Accepté. Et j'ai terminé la partie. Est-ce que j'ai gagné? Telle est la question. J'ai les 6 étoiles. Est-ce que j'ai gagné avec ma nation? Hey, ouais, si je gagne pas, je suis en crise. Même si je gagne pas, je veux juste faire. J'aurais pas dû y aller trop vite. Oh là là, c'est serré. C'est serré. Gage 2000 en ce moment, mais est-ce que je vais gagner? C'est serré. C'est serré. Oui, 59. Hé! Égalité. J'ai gagné parce que je suis en égalité et j'ai plus d'étoiles. Let's go. Incroyable. Égalité avec la nation nordique. Mais à cause que j'ai plus d'étoiles, je l'emporte. Wow, je m'attendais pas à ça. Quelle victoire de la Crimée après 22 tours. Impossible. Wow. De toute justesse, c'était vraiment malade. J'ai vraiment aimé ça. Puis si toi t'as apprécié le jeu 7, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce bleu évidemment et à laisser un commentaire, à cliquer sur la cloche aussi pour savoir les prochaines vidéos que je vais sortir. Mais bref, site sur Steam, très bon jeu, très plaisant. Puis si tu as la chance d'y jouer sur table, c'est encore meilleur. Oui, c'est plus long, oui, c'est du 1h30, 2h à jouer, mais c'est extrêmement plaisant, c'est satisfaisant. Au moins, par chance, l'ordinateur nous permet d'y jouer. Donc sur ce, c'était votre Cornet et je vous souhaite ciao ciao et je vous souhaite une agréable fin de journée. Outre que le ciao ciao. Et calvaire, c'est la pire fin de l'histoire de l'humanité, ça. Ben, gars, je vais arrêter ça de même, là. Je lui ai rendu 2h du matin. That's it, that's all. Bye, les cornets.